Monsieur Président Mélenchon. Merci. Merci, cher Président. Malgré tout le respect que j'ai pour vous, cher Président Brok, je ne suis pas du tout d'accord avec votre introduction. Je voudrais dire à Monsieur Peshkov, tout en le remerciant d'être ici, que je ne voudrais pas qu'il croie que l'opinion politique européenne est au niveau d'exaltation que vous avez pu entendre dans cette salle. Dans mon pays, la France, nombreux sont les responsables politiques et jusqu'à un Premier ministre hier pour dire que l'hystérie anti-russe ne mène nulle part sur ce continent. Personne ne fera la guerre à la Russie sauf les fous et ou n'interviendra militairement en Ukraine au milieu des centrales nucléaires. Tout ça est absurde et nous savons très bien que ça n'aura pas lieu. Donc c'est une perte de temps que les exagérations auxquelles nous venons d'assister ici. Pour ma part, je ne crois pas que vous soyez l'agresseur et il suffit qu'ici il n'ait pas été dit un seul mot de l'intervention des États-Unis d'Amérique en Ukraine pour montrer à quel point cette salle est polarisée par une ambiance de guerre froide qui ne correspond à aucune réalité du monde dans lequel nous sommes. De toute façon, tout cela est un aimable bavardage. Ce week-end, il y a eu une discussion entre nos présidents et le vôtre. Et je voudrais savoir quelles sont les dispositions qui sont prises par votre Parlement pour que l'accord, qui semble-t-il a été bien avancé ce week-end, se traduise par une décision en ce qui concerne la Russie elle-même pour qu'elle se porte garant de son application. Un mot, monsieur, si vous permettez, monsieur Brok. Je vais vous dire la reconnaissance qui ne quittera jamais l'esprit de mes compatriotes sur le rôle qu'a joué la Russie pour la libération de nos pays au cours de la dernière guerre et personne n'oubliera les 20 millions de morts de votre pays au service de notre liberté. Mr. Mélenchon, für die Befreiung Frankreich. Monsieur Mélenchon, pour la libération de la France, il y avait aussi des Anglais et des Américains. Ceux que vous venez d'attaquer, ils étaient là et ils étaient responsables. Ne l'oubliez pas. Je voudrais vous rappeler qui a débarqué en Normandie. Je n'oublie pas, monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole, monsieur Mélenchon. Lors dans ce cas, vous non plus.